Salut à tous, on se retrouve pour le Grand Prix d'Italie 2006, le circuit le plus rapide de la saison. Et on va lancer du coup la séance de qualification. Bienvenue à Monza. Ça va être. Je sais pas ce que ça va donner, mais honnêtement, on n'est pas trop en forme là. On a du mal à trouver les setups, et du coup, on est un peu en fond de grille, complètement. On se bat avec les Midland. Ça pour vous dire que ça part pas super bien. J'ai changé mes réglages en dernier recours. On verra si ça change quelque chose, mais bon, pas très content du setting là. Donc c'est parti. On va essayer au moins de s'extirper de la Q1. Ce serait pas mal. J'ai pas trop de problèmes au premier secteur, c'est vraiment le deuxième et le troisième où je perds du temps. Je perds une seconde à chaque secteur en fait. Alors que le premier, je suis dans les temps de Massa par exemple, qui était premier dans la séance d'essai libre. Donc il y a moyen de faire quelque chose, mais encore faut-il que je trouve les bons setups et surtout que j'arrive à un peu me planter. Allez, c'est parti pour un premier tour chronométré. Voilà, évidemment, quelqu'un va arriver pile sur moi au même moment, c'est génial. Bon, heureusement, c'est une Toyota, donc elle devrait être assez rapide. Ce virage qui est assez complexe. Bon, j'ai pas trop perdu de temps sur la Toro Rosso derrière, donc je pense que on a un temps qui va être correct. Je dis bien correct, c'est-à-dire pas folichon. On va essayer de faire un tour un peu plus rapide avec mon essence. Ouais, 24-8 c'est intense, c'est modeste. Ça serait bien qu'on puisse avoir l'aspiration de la Toyota en fin de secteur. Yuji Ide boucle son tour. Il a fait ce que l'on attendait de lui. Vraiment. Et on s'est loupé. Le sixième d'avance. Je vais les garder longtemps. Là j'ai encore loupé ma sortie. Voilà, c'est fichu. Vineur 24-2, donc déjà notre coéquipier est beaucoup plus rapide. Allez, une seconde 3 devant le mien. Je vais tenter un dernier tour. On tourne en 24-2. Encore, on n'est pas sur les pilotes les plus rapides du championnat là. Vite pour Trulli. Les pilotes bouclent actuellement un tour complet sont Jarno Trulli, Ralf Schumacher, Christian Klien, Mark Webber, Kimi Räikkönen,
Giancarlo Fisichella, Juan Pablo Montoya, Felipe Massa, Michael Schumacher. On va peut-être dire qu'il y a du monde. Je suis en retard. Alors, on va voir si on peut fermer dans le deuxième secteur. Weber, il est en 1.40. What? Il a juste fait une erreur là, je pense. Pilote Williams. Christian Klein obtient un chrono. Il a une mauvaise relance. S'il se vante de ce temps, il va plutôt chercher à l'oublier. On monte en 1.34.5. Yarno Trulli obtient un nouveau temps. Il a fait ce qu'il fallait ici. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est vert? Ouais, 24-9, c'est pas assez. Revenu au garage. Pour l'instant, on est 15ème. Yuzi est en 1.26. C'est assez bizarre, étrange les temps qu'ils font là. Bon, on va quand même essayer de faire mieux. Je pense que je peux gagner. Allez, si on vraiment aligne les secteurs, peut-être 5-6 dixièmes. On va reculer en 1.22.8. Instant, le passage est 25-3. Je sais à quel endroit je peux gagner du temps en fait, comment faire, mais c'est juste que ce sont des endroits très très spécifiques, c'est-à-dire vraiment à l'intérieur de chaque virage. Alors, ici je peux le prendre de là. Mais si je me prends un tout petit peu trop à l'intérieur, je vais partir instantanément à la faute et du coup bah je perds tout. C'est pour ça que ça va être une grosse décision en course, hein, de savoir si on tente ou pas. Voilà, il faudrait que je puisse le prendre comme ça tout le temps à fond. Je voulais presque la laisser passer pour prendre l'inspiration, mais je me dis qu'après j'allais être gêné, donc ça sert à rien. Et yes, juste devant une Ferrari qui s'est en plus loupée, c'est magnifique. Vous avez vu là, à peine j'ai pris le libreur, oup là, à l'extérieur, c'est pas bon. Je vais regarder derrière moi, est-ce que je peux le laisser passer un peu sans prendre le risque derrière de me faire rattraper aussi. C'est une idée comme une autre. Hein. Je voulais laisser passer, mais vu que met trop de temps à revenir, c'est pas la peine. Allez, on va encore tenter. On reste deux tentatives. Enfin, une, parce qu'avec le temps restant. Ok, première chicane bien négociée. Pour l'instant, Barrichello en pole, hein. Enfin en pole, pardon, en premier temps de la première séance. Ouais, je me suis raté, du coup c'est rouge, c'est mort.
J'aurais même pas le temps de faire un deuxième tour. Un troisième. Juste devant, ça va se chamailler. N'importe quoi. On dirait que c'est fait exprès, sans déconner. On est le dernier qualifié, regarde, 24-8. Ouais, je pense qu'on peut faire un dernier tour. Ça va être juste, mais je pense qu'on peut. Je pense que le tour sur 1024. Il faut que je termine vraiment le tour voilà, avant le 1024 justement. Ah, ça va passer, ça va passer. Juste, hein. Allez, en plus on a le moins d'essence possible. Jacques Villeneuve termine un tour complet. Il devrait en être content. Et bien sûr, évidemment, il fallait s'y attendre. Les pilotes bouclent actuellement un tour complet. Voilà. Pile dans la zone. Pile dans mon dernier tour, évidemment, la flaque d'huile. Un endroit improbable. J'adore, j'adore. J'adore. Ouais, j'aurais tenté jusqu'au bout. 11. Ouais, c'est fichu. Nickelfeld. 8 dixièmes de perdu. Et au niveau final, on est quand même passé. On est passé, bien aidé évidemment par les flaques d'huile, hein, toujours. Nous poursuivrons dans quelques instants par la deuxième séance qui décidera des places 11 à 16. C'est passé juste. Réglage de la voiture, je pense que je vais... Je vais rebraquer les ailerons un petit peu, hein. J'ai pas à faire de plus. On va faire ça. Là, on va faire... Alors je vais tenter un dernier truc. Voilà, un petit peu de carrossage. Et on va quitter le garage. Le carrossage, c'est vraiment très complexe à utiliser parce que elle tourne beaucoup mieux, mais aussi beaucoup moins stable. Freinage, donc. Parce que quand on freine en courbe. Bon là évidemment passer en dans les 10 premiers ça va être il va falloir se bouger là. Ça a l'air d'avoir aucun aileron en fait. Bah, elle a aucun aileron, c'est pas possible. Vous avez vu la vitesse à laquelle point elle me rattrape. Alors j'arrive à recroiser après, mais pas perdu. C'est plus facile de récupérer du temps dans la ligne droite que dans les virages, donc... Puis on doute pas dans les virages, on doute dans la ligne droite, donc c'est pareil aussi. Je sais pas si on a un setup qui va quand même être cohérent.
C'est parti. Pas la bonne trajectoire pour le moment dans cette chicane. J'ai raté la corde. Je vais accélérer un petit peu moins tôt. Bon, ici ça va, je m'en sors pas trop mal encore. Mmh. 24-1, c'est pas trop mal. Coulthard 23,9. Ouais. On va voir avec mon essence. Mon essence, on gagne toujours quelques dixièmes. Christian Klein obtient un chrono. Eh mince, pas, j'allais dire. Sûr que là. Attends, on l'est pas compté. Je vais quand même voir le temps qu'on aurait fait. 22,053, ouais, non, c'est mort devant. Ah, c'est chaud à prendre à fond ici. Hein. Ouh. Regardez la vitesse d'arrivée de la McLaren. Alors, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai mieux accélération. J'ai l'impression. Ça dure pas longtemps après avec l'aspiration. J'ai 305 km/h. Felipe Massa, Juan Pablo Montoya, Jenson Button, Yarno Trulli, Nico Rosberg, Ralf Schumacher. Oh là là, la McLaren, comme elle est 10 000 fois plus rapide. Et je vais retirer tous les ailerons, quoi. Nico Rosberg réalise un nouveau chrono. Ouais, je suis sorti du top 10, je suis 12e. Moi, je veux bien que tu passes, mais le problème, c'est quand tu vas passer, tu vas me freiner devant, donc. Pas à rien. C'est un peu ça le problème qu'il y a d'ailleurs. Jenson Button boucle son tour complet. Là je l'ai bien pris, du coup je suis en avance en premier secteur. J'ai mieux pris la sortie ici aussi, peut-être que ça peut le faire finalement. En tout cas l'amélioration. Giancarlo Fisichella termine son tour complet. Ah, c'était juste. On était presque dans l'herbe là. Allez, la ligne droite, est-ce qu'on peut améliorer un petit peu notre temps? 22, 23, ah, 24-1. On a fait mieux, mais c'est pas. On est combien? On est 12e. Ah, on est devant Villeneuve, quand même. C'est pas mal. Je vais tenter la. On va tenter le tout, on verra si ça a marché ou pas. Je vais mettre. Je vais mettre 15 en aileron avant, on va mettre 20 en aileron arrière. Et on verra ce que ça donne. Pff, limite je vais mettre 15 aussi. 15-15. 17, juste un tout petit peu quand même pour... qui est le... Que l'arrière ça chasse. C'est quand même un gap tellement énorme vitesse de pointe que je me dis...
Alors est-ce que sans aileron je peux aller plus vite que toi? Bah la pression il va me la mettre, ça c'est sûr. Vas-y, passe, 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 comme ça tu me refreines devant, voilà, c'est bien. Allez, ralentis encore. Ça c'est pas vrai, allez, repasse. Chez nous Renault derrière, ça va être encore pire. Bien évidemment, j'ai beaucoup moins de grip. Allez, c'est parti. Il ne reste plus que 4 minutes dans cette Q2. David Coulthard achève son tour complet. Il va être furieux de ce résultat. Il sait que la voiture peut faire mieux. Allez, premier secteur réussi. Voilà, je perds un peu de temps parce que j'ai pas beaucoup d'appui. Oh non, j'ai coupé. Oh là là. Bon, il me reste une tentative. Ah, c'est le petit problème qu'on a, c'est que comme on n'a pas beaucoup d'appui, difficile de la faire passer dans les virages comme il faut. Genre juste le temps là. Ah, une 22-8 quoi, j'aurais pu passer, putain c'est extraordinaire, c'est incroyable. Allez, dernière tentative. 22-8, c'est-à-dire que j'aurais pu passer. Allez, on va essayer de pas faire de fois la même bêtise. Je suis en retard en premier secteur. Ah ouais, non mais là j'y arrive pas. J'y arrive absolument pas. Bon, il y a du potentiel. Il y a du potentiel là vraiment. 5 dixièmes de retard. On verra dans le dernier secteur. Est-ce que je vais pouvoir tenter un dernier tour? Il reste 20 secondes, ouais, ça devrait passer. Felipe Massa termine un tour rapide. 23-9, j'ai fait un meilleur temps quand même. Le moteur qui en peut plus, mais vraiment. Allez, dernier tour, dernière tentative. Ouais bon, c'est pas fini, on va voir. Allez, on va essayer de faire de bêtises ici. Ouais, derrière j'ai la Renault qui arrive à toute vitesse. Thank you.
8 dixièmes de retard, c'est trop. Mais comme elle va trop vite cette Renault, c'est impressionnant, regardez. Mais c'est n'importe quoi. Nico Rosberg réalise un nouveau chrono. Ce temps au tour devrait le ravir. Oui, c'est bon, ça passe. Oh là là, est-ce que je vais réussir à tenir? Est-ce qu'on va réussir à passer Coulthard dans 23-8? 22, 23, non. On a échoué, 4-0-0. Aïe aïe aïe, quel dommage. On avait fait une bonne portion hein, par contre. On avait fait une bonne portion. Aïe aïe aïe, on va finir 12ème. Avec le meilleur tour en 1-23-9. Nous allons passer à la troisième séance dans quelques instants. Bon, au moins l'avantage, c'est qu'on a quand même réussi à améliorer nos chronos. Parce que j'étais nulle part il y a 20 minutes. La dernière séance de on va faire quitter la séance et on va voir du coup le départ. Bon, j'espère qu'il n'y a pas pleuvoir. Même si je sais pas pourquoi, je sens que ça va être le cas. Nous avons eu droit de belles qualifications. Alors, du coup, c'est Alonso qui partira en pole devant Massa, Button, Bike. Ils ont tourné en 21, c'est n'importe quoi. au meilleur temps. Bike, Hello, Fisichella, Montoya. Et nous, on va partir du coup 12ème, juste devant notre coéquipier. Ça va être dur, ça va vraiment être difficile. Allez, c'est parti. Il ne pleut pas, c'est la bonne nouvelle déjà pour commencer. Attention, le premier virage va être compliqué. Montez le son et régalez-vous, on y va. J'ai raté, il fallait pas. Pas grave. Pour bien faire, faut que j'arrive à prendre. Ouais, c'est bon, ça va passer. Oh, attention à la sortie ici. On va passer devant Coulthard, je crois, ouais. Va falloir faire vite, hein, parce qu'après, ça va dérouler devant. Ils sont à 3 de front, il y a une Ferrari qui a l'air bloquée là. Wow, la Ferrari de Schumacher là. Et du coup, qui c'est qui s'est fait avoir? C'est moi. Bon, on va avoir l'aspiration sur la Williams. C'est au moins l'avantage. Voilà, passer comme un TGV. Sans DRS en plus, magnifique. Waouh, waouh, waouh. Ça se suit. Moi aussi j'ai l'aspiration là. Tes pneus sont verts sur l'indicateur d'état. Le grip devrait être maintenant au maximum. Alors, le problème que j'ai là, c'est que j'ai pas avoir l'aspiration de la Ferrari, enfin je crois pas. Je suis bridé en ligne droite, c'est n'importe quoi. Voilà à quoi ressemble la course. Oh, le coup de patin que j'ai mis. Qu'est-ce qu'il y a derrière moi, une... secondes et demie. Ouais, c'est parce que c'est le début, c'est normal. L'aspiration marche super bien par contre. Par contre, pour aller chercher Trulli devant, alors je sais qu'il y a une Ferrari qui est bloquée, mais... C'est peut-être ton meilleur temps de cette séance dans la deuxième portion. Je sais pas comment je vais faire pour les rattraper maintenant. Ouais, bonne accélération, ça c'est bien. Fais gaffe au freinage quand même. Quand ça freinait assez fort ici. Deuxième, Fernando Alonso. Button et
Alors Michael Schumacher, le problème c'est qu'il donne l'inspiration à la Toyota. Les deux vont se passer peut-être à l'extérieur. Oh, 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 oh. C'est pas ce que je voulais faire. On sait vraiment qu'on pourrait passer à l'intérieur là. Ah dommage. Dommage, dommage. Je pensais vraiment que je pouvais passer à l'extérieur, mais malheureusement, on s'est touché un petit peu. Là, il y a 9 tours à faire. Il faudrait vraiment que j'arrive à récupérer des places entre roulis. Parce que si je suis 9ème, il suffit qu'il y ait le moins d'abandon devant. Oh, la Toyota qui était de maintenir. Allez, on va essayer de chercher Raikkonen maintenant. Enfin, Raikkonen. Oh, je me suis loupé, je me suis loupé, je me suis loupé. Et il est repassé direct. Ah, j'ai raté le point de freinage. Voilà, on va essayer de le rattraper. Oh, le dernier virage, on est vraiment beaucoup plus rapide. Il faudrait vraiment qu'il y ait un abandon devant. Que de l'inspiration. Voilà à quoi ressemble le classement des 8 premiers. Massa occupe la première place. Deuxième, Fernando Alonso. Button est troisième. Fisichella est quatrième. Barrichello, cinquième. Ah, c'est Montoya maintenant qui est septième. Raikkonen. Montoya est septième. Et Schumacher est à la huitième place. Ah, c'est compliqué. Ouais. Ah, je sais vraiment pas si on va réussir à rattraper devant. Je pense pas. Pourquoi j'ai pas un rythme fou là. Je compte uniquement sur les abandons là maintenant. Il y a déjà 3 secondes, Mick Schumacher. Schumacher. Faut que j'arrête de dire Mick Schumacher. On va se décaler ici. Ah, il n'y a plus que 2 secondes 6 devant. Il occupait tout à l'heure la tête du classement. Button est 3ème. Fisichella est 4ème. Barrichello 5ème. Montoya 6ème. En 7ème position, Raikkonen. Et Schumacher est à la 8ème place. Je pense qu'il y avait une bataille entre Montoya et Raikkonen parce que Raikkonen a perdu une place encore. Allez, c'est bon, on s'est détaché un peu de Trulli. Je suis totalement loupé malheureusement.
Alors, 2 secondes 9. Alonso continue à mettre la pression. Ce dernier chrono donne un temps autour de 1:22:48. Jenson Button. On a passé le cap de la mi-course. L'écart est maintenant de 8 dixièmes. Ouais, j'ai pas réussi à remonter là par contre. Bon, ce qui est bien, c'est que je suis un peu esselé. J'ai totalement raté la chicane. Avec mon essence, elle passe beaucoup mieux ce passage là. Mais il y a quand même 4 secondes. Oh, le vent qu'ils nous ont mis là. Ok, donc ça c'est bon. Toujours 4 secondes de retard. Oh, papa, oh le drift. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est marrant, j'ai le pneu arrière qui était totalement bleu. J'ai pas une seconde là dans l'histoire. Allez, un petit abandon devant là, ça serait trop bien. J'ai pas le rythme pour les rattraper donc. Allez, plus que 3 tours. Fisichella termine une belle deuxième portion. L'écart est tombé juste en dessous de 2 secondes. Ça, je me suis coupé ici. Fisichella est en train de remonter. Il se rapproche lentement. L'écart a encore diminué d'un dixième de seconde. Ouais, un dixième, c'est pas beaucoup. Dixième tour. Massa occupe la première place. Deuxième, Fernando Alonso. Button est troisième. Fisichella est quatrième. Barrichello, cinquième. À la sixième place, Raikkonen. Il était septième. Montoya est septième. Il a dégringolé depuis la sixième place. Et Schumacher est à la huitième place.
Ouais, s'il n'y a pas d'abandon dans ce tour-là, il n'y en aura pas après, je pense. Son équipe a dû dire à Button de mettre la pression. Il y a maintenant une seconde et 8 dixièmes de différence entre les deux pilotes. Ouais, j'essaie juste de finir, hein. J'ai pas... Enfin, j'accélère, mais j'ai de faire des erreurs surtout. Ah, ça se voit, j'ai encore pas une seconde dans ce tour-là. On n'a pas de chance quand même, parce que pour une fois qu'on faisait un Grand Prix sans problème, enfin, c'est assez rare hein, pour le souligner, il n'y a pas eu aucun abandon. Alors on a de chance tout le temps, hein, mais bon. Il nous a manqué quand même le petit 2-3 dixième en début de course là, qui nous aurait permis de garder l'aspiration sur Michael Schumacher, Montoya, tout ça. Et voilà, Fernando Alonso franchit 8 secondes 5 quoi. Réussir à me louper dans le nez, bon. Et ben, ce sera une 9ème place, malheureusement, pas de poids. Bon, on part de loin quand même. Par rapport aux essais libres, honnêtement, je suis pas malheureux quand même. Et je crois que pour nous, l'avantage, c'est qu'on a aucune des autres équipes autour de nous qui manque de points, donc ça va. On va dire que ça va. Parce que bon, Button Barrichello certes manque des points, mais par exemple, bon, Toyota n'en manque pas, Red Bull n'en manque pas, Williams non plus. Pour l'instant, ça va. Allez, Massa toujours en tête le championnat devant Mickey Schumacher, Fisichella, Alonso, Montoya, Button qui prend une place à Barrichello. Et ça, le Grand Prix de Belgique la prochaine fois. Trulli 21, et après, bah, on est 10ème, 7 points. Ah, j'aurais bien voulu prendre un petit point quand même, avec 8 points, ça aurait été cool. Surtout qu'au championnat constructeur, ça nous aurait mis un peu plus en sécurité par rapport à Red Bull Ferrari, parce que là, il y a quand même qu'un point d'écart. Bon, pour l'instant, on est dans l'objectif, hein, on est 6ème, mais. C'est très vite changé. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve du coup bah, pour le Grand Prix de Belgique dans une semaine. Je vous dis. Ah non, même pas ! Grand Prix de Shanghai. Je crois qu'on a fait une bonne performance avec la Midland, ça circule la dernière fois. Donc peut-être que là, on aura des points. On va voir. On va essayer de faire au mieux. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Mmh.